Kusa et les autres. Ayla, s'ils sont arrivés jusqu'à la surface, ils sont peut-être avec papa. Je vais les enregistrer dans mon astre-outil. Alors, supprime-les de tes sauvegardes, ok? On le dira aux autres plus tard. Le temps de trouver papa. Allez, on poursuit notre visite. Je devrais noter ça. Mais les meilleurs qu'on a produits ces 20 dernières années n'atteignent même pas 40%. Zara, si tu peux trouver des données sur le réseau, ça pourrait nous servir de preuve. Ça marche. Si ce que Ryan a trouvé est vrai, c'est le convertisseur d'énergie le plus avancé de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi il marche pas? C'est ça qui cloche. Il est opérationnel. On dirait juste qu'ils l'ont éteint. Étrange. L'ambiance. On voit Mars. Ah. C'est cool un peu quand même. Ah, c'est encore un de ces trucs. La porte vers le pont est fermée. Mais je peux l'ouvrir avec un point stream. Bien vu. Tiens au courant. Finalement, ce qu'on avait appris au début du jeu va nous servir. C'est rien, c'est des micro-ondes. Est-ce que je peux toucher à ça? Et ça referme, donc non, c'est pas celui-là. Celui-là. Que me faire? Peut-être que j'ai le temps. Je me mets bien en position comme il faut. Le signal doit passer à travers cette vitre. Ah, c'était bien ça qu'il fallait faire. Si je fais ça, moi je peux plus passer là. Ah, je peux alimenter l'autre. Attends. Ah oui, je vois. Je crois avoir compris. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que le jeu, il nous a donné un petit indice avec la voix, là. Ça, c'est sympa. Évite de rester bloqué pour rien. Ah,
attends. Hop. C'est avant tout un jeu à ambiance, narratif, c'est pas forcément... comment je fais là ? Yes ! Easy, le premier coup. Alors du coup, bah on est bon. Je vais pouvoir... Bouton, faut appuyer dessus. Ah, on a une vue à la troisième personne. Cool. Skyrim. Alors. Il y a quelque chose à observer là. Ouais, des trucs de. Il y a des débris en tout cas là. C'est quoi, c'est des papiers ou... C'est quoi votre technologie d'ouverture de porte? Les poussées, non, les boutons. Ouais, hein, c'est les technologies du futur. Waouh. Claire, je suis sur le pont et la pièce entière est remplie de débris. Tu sembles presque heureuse. Pour être honnête, ce chaos est vraiment... joli. T'es presque flippante. Tu peux en déterminer la cause? Je vais voir ça. Des papiers, non? Peut-être l'ordi, il va nous dire quelque chose? Non? Ah, on est carrément dans le poste de pilotage, d'accord. Alors, ils sont dans le futur, mais par contre... clavier QWERTY, hein. Ok, je sais pas trop ce que je cherche. Les portes de sécurité d'urgence ont été activées ici. En tout cas, la réponse se trouve derrière ces portes fermées. Une réponse inaccessible. Non, j'en ai bien peur. Que dit le terminal principal du pont? Ah, tu veux dire le premier truc que je suis allé voir en arrivant ici? Mais oui. Faut réparer les convertisseurs MPT avant de remettre l'arche sous tension. Une heure, tout va bien. Bah ouais. Maintenant, Cathy, réalimenter l'arche est notre priorité numéro un. Je m'en occupe.
Atteindre des modules convertisseurs. Ok, ben on va faire ça. Petit bouton. Non, pas le droit. Ok. Alors j'aime bien, il leur dit ouais, va au module convertisseur. Bien sûr, mais bien sûr, je sais où c'est. La première fois que je viens là, mais je sais où c'est. Alors c'est cool par contre qu'ils aient rajouté des petits marqueurs comme ça. Parce qu'il y avait pas, je crois pas qu'il y avait ça dans le premier. On peut rebrancher manuellement la connexion à l'AFD, mais ça va pas être facile. Pourquoi il n'y a jamais un bouton tout simple? La conception a l'air volontairement complexe, comme s'il fallait une personne pour superviser d'ici, et une autre pour activer en bas. Une sécurité intégrée. Cathy, tu dois les connecter dans un ordre spécifique. Ryan, quelle est notre marge de sécurité? Marge est tout sauf sécuritaire. On est sûr de nous. Alimenter la bourse est une priorité de la mission, on n'a pas d'autre choix. Cathy, tu dois faire extrêmement attention. D'accord. Tout le monde en alerte. Dernière vérification. Pareil. 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 Ok. Cathy, bonne chance. Mais ils ont dit c'était fait exprès parce que. Parce que c'est le futur. Passe au suivant. Merci. Alors, si je me mets dans la tête d'un développeur, je dirais c'est celui-là parce qu'il y a moins de points. Donc, c'est forcément celui-là. Non, on dirait que c'est pas le bon. Bon. Finalement, ils étaient pas aussi subtils que ça. Ça a pas l'air. Ok. Bon, attends, parce qu'il y en a peut-être un autre. Qui est derrière, genre. Voilà. Ah ouais, oh, vas-y. Alors, par contre, comment on y accède? Comment je fais des pchits et des bzzz là-dessus, là? Les portes sont fermées. Comme de par hasard, il y a juste de quoi passer un rayon laser. Donc faudrait, je pense, ouvrir la porte. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec le... Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec le laser. Alors par contre, le robot, tu dégages. Attention avec la vie. Je réessaie. Là, on dirait que c'est pas le bon. Ah, bien reçu. Je crois que c'est pas le bon. Ah, ok. Ok, ça a l'air bon ici. Cool. Est-ce que je peux pas faire autre chose en fait? Je crois que c'est pas le bon. Je revérifie. Ah ah. Les gros trucs blancs qui volent servent à quoi? Ah. Ça là? Ah, c'est juste pour mettre dans l'ambiance. Apparemment. Tu parles du robot peut-être. C'est vrai qu'il fait des choses lui aussi là. On va passer dans le trou lui. Ah, il voit des trucs lui là. Donc on a des lasers derrière aussi. Peut-être que oui, il y a peut-être un truc à faire avec le robot. Je vais éteindre l'autre avant que ça explose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vacherie du genre faut viser derrière là, je... Non, c'est pas ça. Quoi ça? Ah, c'est
Ah. On avance. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout est fermé. Non, il y a ça. Ok. Quelle pagaille. La brèche a fait beaucoup de dégâts ici aussi. Oulala. Alors, faut couper quoi par contre ? Je vois pas bien ce qu'il faut que je coupe. C'est les trucs là ? Loin. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il faut faire. Faire péter, c'est bien ça. Ça j'aime bien. J'aime bien faire péter des trucs. Et ça fait bim bam boum. Ça fait bim et ça fait boum. J'ai la ref. J'ai la ref. Musique de jeune. Yes, let's go. Let's go. Yes. Yes, yes, yes. Là, on va pas avoir 36 choix, là, je pense. Ça a l'air bon. Super. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire grand-chose là-dessus. Bien. Tout ça c'est ok. Ah si, il y a un ordre, il y a des numéros 2, 3. Le prochain, il faut qu'on allume celui-là. Bon courage. Alors, je dise pas de bêtises. 4. Donc faut que ça soit derrière cette porte-là. Sortir de cette panade.
va ouvrir la porte C. C'est ça, hein, c'est des lettres. Ouais, c'est ça. Porte C, il faut. Peut-être qu'il y a un truc par là. C'est pas pour dire, mais chez moi, j'ai juste des petits interrupteurs on-off, c'est plus simple. Hein. Le futur, il se complique la vie un peu, je trouve. Alors, comment on va ouvrir ça? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose là ou là? On va aller là. Ah non, on va remonter, donc c'est pas ça. Hyperloop, ouais. Je crois qu'ils vont abandonner le projet d'ailleurs, Hyperloop. Hein. Donc, ils ont mis la clé sous la porte là, il n'y a pas longtemps. Là. Il me semble avoir vu passer un truc. Ok, alors peut-être. Ah, on a ce laser là aussi qui sert à rien. Là. Qui sert à rien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc genre subtil? Ok. Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Ah. Alors j'avoue, je sèche un peu. Oui, ben on avait compris ça en fait. C'est quoi cet indice éclaté au sol là? Un petit robot là. On veut 4. 4, ça va être alimenté par probablement ce qu'il y a derrière cette porte. Comment on accède derrière? Voit le truc en plus, c'est le pire. Alors il y a une espèce de conduit là, j'ai l'impression. Ah ah, bon, par contre je vois rien. Ah ah. C'est normalement, c'est ça. Yes! Let's go! QI, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Cool. 5, on peut l'activer. Ça a l'air bon. Super. Fait croiser les effluves là, mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 6 et 7. Alors, 6, comment on l'alimente? Avec lui là. Le 7ème, il va nous faire chier, je crois. 6. Là,
il n'y a pas forcément d'accès. Ouais, on voit juste les lasers. Bonne mise à jour. Ah oui, je peux pas trop m'éloigner. Ah, je suis sûr que c'est un truc débile en plus. Ah. Ah. C'était effectivement débile. Hop là. Yes, let's go. On a ça et du coup faut ouvrir la porte là. C'est bon, passons au suivant. Merci. Ah. Je fais moi. Quelque chose va pas. Tu peux réessayer? Je vais réessayer. Regarde les écrans, Kat. Tu devrais voir le bon ordre. Ah. Ok. Donc ça là. Cool. Comment je fais là? Il me reste un laser. Je peux pas viser le truc. Est-ce que genre le robot il pourrait pas faire un truc? Je suis embêté.
là j'y ai pas du tout accès. Il y a les lettres là qui va embêter. Du coup, le seul qui peut accéder, c'est eux là. Les deux, ils sont occupés. Donc, il faudrait réussir à, je sais pas, à diviser le rayon. Bien reçu. C'est pas bon. Vérifie les écrans. Ok. Ah bah ça marche plus du coup là. What the fuck? Je revérifie. Non, on dirait que c'est pas le bon. Ah, ok. Non, c'est pas à 100% ici. Je vais réessayer. On va refaire. On va refaire. On va commencer dans l'ordre. Là, on a 1 et 2. Ah non, il est où le 1? On n'a pas de 1. Attends, il est là. Commencer par là. Ah. Ouais, c'est bon. Très bien. Ensuite le 2. Le 2 qui est là. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas compris là. Super. Alors le 3. Attends, il y a là. Est-ce que le 3, je peux l'activer comme ça aussi? Je pourrais plus activer le 5. C'est pas ça. Donc ça j'avais bon. Ça
Oh, attends, je sais pas comment je me suis foutu là. Voilà. 6. Merci. 7. Cool. Bon. Il reste le 8. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ouf. Je crois que ça a marché. Merci, Sarah. Très bien. Cap, dirige-toi vers le pont et accède au terminal. Allez, robot, tu dégages.